Bon, aujourd'hui, on visite la boutique Japanime, hein, avec mon pote d'enfance, Nana. On est à Rennes, les gars, on est à Rennes ou pas? On est à Rennes. Sûr, on est à Rennes. Vous avez... Je suis sûr qu'on va être super bien accueillis. C'est parti, on va aller se régaler les yeux. C'est parti. N'hésitez pas, si vous êtes sur Rennes, à aller leur faire un petit coucou dans cette boutique de la part des Blaster Joueurs Nerf, bien sûr. Et je ne doute pas que vous recevrez un accueil chaleureux. Ils sont très impliqués dans le milieu du manga, ils sont passionnés. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, je mets des liens en dessous. La vidéo. Une petite pause entre deux vitrines. Eh, j'ai pas tout filmé, hein. Alors imagine comment que ça envoie du jambon. C'est trop beau. Ils ont même des petites bouteilles en verre, Made in Japan, le truc improbable, je vous conseille de tester. Stockman a adoré.
Bon, la belle, t'as trouvé alors? Hein, t'as pris quoi? Une figurine quoi? SAO. SAO, ouais. Ah, c'est ça, celle-là. Avec les petites oreilles de chat. Celle-là, là. C'est ça? Ouais. C'est beau, c'est beau. Bon, t'as pris quoi, Vavan? Bah, One Piece, le fils. Il est aux toilettes là, non? Il force, on dirait, non? Non. T'es content? Ouais. C'est une magnifique boutique. On a été super bien accueillis, les copains. Merci encore pour l'autorisation de filmer. L'équipe est top. Ils sont super sympas, super accueillants. Des prix hyper attractifs pour certains produits. Vraiment, c'est super. Un choix de dingo en statuette, en figurine, manga. C'est fou, fou, vraiment. Il y a une immense pièce remplie de bouquins de manga. Franchement, j'ai halluciné de trouver cette petite pépite sereine. Encore merci pour cette découverte, Nana et Chloé. Voilà, c'est magique, quoi. Bon, bah, j'ai des paillettes dans les yeux. La Belle et Vavan sont comblés. Voilà, c'était juste magique. Encore la bise à Chloé, Nana et Séverine et Mathis. Et puis surtout, à bientôt sur la chaîne Blaster Joueur 9.